Salut la famille, c'est Saint Tuto, alors bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vous montre comment ajouter un administrateur sur votre page Facebook. Donc une fois que vous êtes connecté sur votre page Facebook, vous cliquez sur la photo, votre photo, ensuite vous cliquez sur page. Ensuite vous cliquez sur basculer, au niveau de votre page, vous cliquez sur basculer, vous patientez. Donc nous avons basculé sur la page que nous voulons ajouter un administrateur. Donc de là, vous cliquez sur la photo de profil de la page. Ensuite, vous allez au niveau des paramètres de confidentialité en bas. De là, vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous cliquez sur paramètres de la page. De là, vous descendez. Au niveau de nouvelle version de page, accès à la page, vous cliquez sur accès à la page. Ensuite, personne avec un accès à Facebook, vous cliquez sur ajouter. De là, vous cliquez sur suivant. Vous mettez le nom de la personne ou bien l'email de la personne. Ensuite, vous donner un accès, vous cliquez sur donner un accès. Donc là, autorisez cette personne à avoir également un contrôle total. Vous cochez ça si c'est un administrateur total. Ensuite, vous cliquez sur donner un accès. Là, vous mettez votre mot de passe pour valider. Ensuite, confirmer. Confirmer, voilà. Donc là, on a l'invitation dans 31 jours. On dit l'invitation expire dans 31 jours. Donc ensuite, maintenant, il reste la personne à qui vous avez envoyé la demande pour être un administrateur à valider cette demande. Donc pour cela, je vais changer de compte. Donc voici le compte pour lequel j'ai envoyé une demande pour être administrateur. Donc si on clique au niveau des notifications, là, vous verrez en bas, Barimax vous invite à gérer la page de Phenomens. Donc, vous cliquez sur la notification. Ensuite, vous confirmez l'invitation. Consultez l'invitation. Là, vous cliquez sur suivant. Ensuite, accepter. Je clique sur basculer pour aller directement sur la page Les Phenomens. Donc voici la page Les Phenomens. J'ai accès maintenant à l'intégralité de la page et je peux publier en tout cas. Donc nous sommes à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Saint Tuto, à laisser un max de pouces bleus, à donner un commentaire si vous avez aussi besoin d'autres aides. Moi je dis à la prochaine.